De partout où vous nous suivez, nous disons bonjour et courage à tous les bien-aimés qui poursuivent le développement de leur potentiel. Dans cette session Maximage le potentiel, ça va faire la 16e vidéo. Merci pour tous les feedbacks, merci pour toutes les questions que vous nous posez. Et nous sommes en train de tâcher d'y répondre dans la mesure du possible. Si tu m'as bien suivi dans la 15e vidéo, j'en avais 7 papiers comme ceci. Aujourd'hui, j'en ai 12. Pour dire que j'ai ajouté un peu plus à la sauce de la fois passée, pourvu de te permettre d'atteindre ton potentiel. Et qu'est-ce que j'ai à dire de spécial aujourd'hui? Juste un petit rappel par rapport au fait que maximiser son potentiel passe dans la 15e vidéo par la compréhension du travail en équipe. Une équipe passe par deux choses, un objectif commun et une bonne communication. Lorsque tu t'entoures des personnes qui peuvent t'aider à avancer dans le développement de ton potentiel, c'est-à-dire que tu as mis sur pied la compréhension de ces deux choses, un objectif commun et une bonne communication. Par exemple, lorsque les gens se retrouvent à l'arrêt de bus, ils attendent tous un même véhicule ou bien plusieurs autres véhicules, mais ils ne sont pas encore une équipe. La question qu'on se pose, pourquoi ne sont-ils pas encore une équipe? Parce que simplement, ils ont un objectif commun, mais ils ne communiquent pas. Mais s'il s'avère qu'ils commencent à communiquer, c'est-à-dire qu'en ce moment-là, ces personnes qui sont à l'arrêt de bus forment une équipe parce qu'ils ont un objectif commun et ils commencent à communiquer. Veuillez tenir compte de ces deux grands mots dans la formation d'une équipe. Derrière tout ce qu'il y a de grand se trouve le mot équipe. Derrière cette organisation Maximize au potentiel, il y a une équipe. Derrière l'église, l'entreprise, les chaînes de restaurants, les transports, il y a le mot équipe. Veux-tu réussir, apprends à travailler en équipe. Et à la notion du travail en équipe, il faudrait maintenant ajouter une chose, c'est la notion des relations. Savoir être en équipe, c'est une chose, mais cela ne sera pas effectif si on ne comprend pas la place des relations. J'ai noté pour vous ceci, vos relations influencent votre potentiel. Quoi que vous entreprenez sur la terre, je dis bien, quoi que ce soit que vous entreprenez, que ce soit une carrière politique, une carrière musicale, que ce soit la poursuite des affaires, que ce soit un mariage, que ce soit les études, quoi que vous entreprenez sur la terre, vous devez faire des choix. Et ces choix, vous devez vous mettre en tête une chose, ces choix vont conditionner votre existence. Je reprends. Quoi que vous entreprenez sur la terre, vous serez obligé de faire des choix et ces choix vont influencer ou vont déterminer votre vie. Et l'un des grands choix dans la vie de toute personne qui reconnaît avoir un potentiel vrai dans un certain domaine, c'est le choix des relations. Avec qui vais-je avancer dans le bateau du développement de mon potentiel? Un conseil que je donne est le suivant. Entourez-vous des personnes qui rehaussent votre valeur et des personnes qui vous encouragent. Entourez-vous des personnes qui rehaussent votre valeur et des personnes qui vous encouragent. Les gens peuvent généralement lier succès et échec au mot relation. Tu vas te rendre compte que tous les succès de ta vie sont ramifiés à une relation et tous les échecs de ta vie sont aussi ramifiés à une relation. C'est indissociable. Quand tu me suis, quand tu regardes comment tu as réussi peut-être dans les études, tu avais des amis avec lesquels vous bossiez dur. Quand tu me dis que tu as échoué dans les affaires, il y avait toujours une relation qui t'a amené à la dérive, à l'échec. On ne peut jamais dissocier succès et échec. Tout ce que nous sommes sur le podium du succès est ramifié à une relation. Choisissez des relations qui rehaussent votre valeur et qui vous encouragent. Quand tu ne donnes pas ta vie aux relations qui rehaussent ta valeur et qui t'encouragent, tu es en train de tuer ce qu'on appelle le capital émotionnel. Le capital émotionnel de l'homme est très important dans la course de la destinée. Ce que tu es à l'intérieur détermine ce que tu réalises à l'extérieur. Ce que tu es à l'intérieur détermine ce que tu entreprends à l'extérieur. Tu ne peux pas entreprendre efficacement à l'extérieur quand tu n'es pas fort à l'intérieur. Choisissez des relations qui rehaussent votre valeur et qui vous encouragent. Et dans ce choix-là, vous devez tenir compte que chaque fois, il y aura ramification. Comme en maths moderne, voulais-je dire, en première CO, on a appris les ensembles. Il y a toujours ces flèches.
Il y a toujours une ramification. Il y a le grand ensemble relation. De ce côté, il y a succès, il y a échec. Chaque fois qu'il y aura un succès, il y aura une flèche qui quittera du grand ensemble relation vers là-bas. Chaque fois qu'il y aura échec, il y aura toujours une flèche qui quittera relation vers échec. Choisissez bien vos relations. Et en ce moment-là, nous sommes obligés de parler de l'impact des relations. Quand nous choisissons, tout ce que nous amenons dans nos vies produit un impact. Il n'y a rien qui entre dans nos vies sans fournir ou bien amener soit un plus, soit soustraire quelque chose. L'impact des relations. J'ai retenu ceci. Puisque toutes nos peines sont causées par des relations avec des mauvaises personnes et presque toutes nos joies sont dues à des relations avec des bonnes personnes, alors nous devons reconnaître l'impact et bien faire nos choix. J'ai un potentiel. Je veux devenir politicien. Je veux devenir musicien. Je veux devenir artiste. Je veux devenir un homme d'affaires. Je reconnais que j'ai un potentiel dans un domaine. Je mets sur pied une équipe, mais je dois tenir compte des relations. Comment ça fonctionne? Nous devons reconnaître que toutes nos peines sont toujours causées par des relations et toutes nos joies sont aussi dues par des relations. Et voici comment je fais comprendre les choses. J'ai retenu pour vous en quatre mots la compréhension de l'impact relationnel. Il faudrait que tu me suives bien à ce niveau. N'amène pas n'importe qui dans ta vie juste par le plaisir, mais comprends que les relations vont influencer ton potentiel et ta destinée. Ces quatre mots sont les suivants. Les relations nous construisent ou nous détruisent. Il n'y a pas de juste milieu. C'est la première pensée par rapport aux relations. Les relations nous construisent ou nous détruisent. Quand tu amènes quelqu'un dans ta vie, tu dois te poser la question. Il va construire ou il va détruire? La deuxième pensée, c'est que les relations nous élèvent ou nous rabaissent. Quand tu amènes quelqu'un dans ta vie, tu dois te poser la question. Il va-t-il m'élever ou va-t-il me rabaisser? La troisième pensée est la suivante. Les relations ajoutent ou soustraient quelque chose. Ils ajoutent ou ils soustraient quelque chose. Et enfin, quatre. Les relations remplissent d'énergie ou bien les épuisent. Ce sont ces quatre pensées importantes dans la direction de nos vies par rapport aux relations. Quand j'amène quelqu'un dans ma vie, c'est-à-dire que soit il va construire ou détruire, soit il va m'élever ou me rabaisser, soit il va ajouter ou soustraire, soit il va me remplir d'énergie ou bien il va m'épuiser. Ce sont les quatre mots et le contraire. Alors pendant que tu seras en train de suivre et resuivre, fais une liste de personnes avec lesquelles tu marches. Mets un plus à côté de celui qui construit. Mets un moins à côté de celui qui détruit. Mets un plus à côté de celui qui ajoute. Mets un moins à côté de celui qui soustrait. Mets un plus à côté de celui qui élève. Mets un moins à côté de celui qui rabaisse. Et mets un grand plus à côté de celui qui te remplit d'énergie et un grand moins à côté de celui qui t'épuise. Quand tu fais la démarcation de ces personnes dans ta vie, c'est-à-dire que tu es en train de baliser le chemin de la libération ou de maximiser ton potentiel. J'ajoute une chose, je suis à mon cinquième post-it. Si je dois résumer l'impact des relations, qu'est-ce que je peux dire à ce niveau? Après avoir parcouru mes quatre premiers post-it. Si je dois résumer l'impact des relations, je dirais deux mots. Identité et puis action. Deux mots caractérisent l'impact relationnel. Il y a identité et puis action. Identité, action. En d'autres termes, que vais-je dire par là? Je vais dire ceci. Les relations déterminent qui nous devenons et ce que nous allons faire. Tu ne peux pas vouloir devenir un grand musicien et aller chercher des amis footballeurs. Il y a une divergence d'aspiration, une divergence d'énergie, une divergence de compréhension dans la course de la destinée à ces niveaux. Ils ont du potentiel pour être des joueurs, mais n'ont pas du potentiel pour être des musiciens. Les personnes qui nous entourent façonnent notre vie, identité et action. Dans le livre saint, il est dit que celui qui marche avec les sages devient sage. En d'autres termes, nous devenons la couleur des personnes que nous fréquentons. Dis-moi qui tu veux devenir et je te dirai avec qui tu dois être en relation. Tu veux devenir
un homme d'affaires, associe-toi à ceux qui marchent dans ce couloir. Les relations déterminent qui nous devenons et ce que nous allons faire. Réfléchis en grand avec moi. Alors que l'année est en train d'atterrir, est en train d'aller vers sa fin, si tu es en train de me suivre, nous sommes en 2020. Et il nous reste juste un trimestre qui a déjà été grignoté de quelques jours. Qu'est-ce que tu es censé devenir à la fin de cette année? Réajuste rapidement les personnes qui t'entourent, les personnes que tu côtoies. Parce que tu ne le veuilles ou pas, tu auras une identité et tu poseras des actions. Comment certaines personnes ont-elles commencé à fumer du chanvre? Comment certaines personnes sont-elles devenues alcooliques? Comment certaines personnes ont commencé à se prostituer? Comment certaines personnes aussi ont rehaussé leurs résultats aux études? Comment certaines personnes aussi ont distingué dans les études? Comment certaines personnes aussi ont percé dans le ministère, dans les affaires? Derrière tout cela se retrouvent les relations. Les personnes qu'ils ont amenées dans la barque de leur destinée ont façonné leur identité et les ont poussées à poser des actions. Alors que j'arrive à mon sixième post-it, je voulais te faire comprendre maintenant, si les relations nous façonnent, si les relations nous poussent à faire, identité et action sont les conséquences d'amener des gens dans nos vies. Réfléchis à une chose, on ne vit qu'une seule fois, on a une seule vie, on a un potentiel, mais qui doit être célébré sur la terre. Le talent est inné, mais le succès se gagne. Le potentiel est inné, mais le succès se gagne. Dans la part de maximiser ton potentiel, il faudrait que tu comprennes maintenant ce que je vais te dire. C'est ça que j'appelle les catégories des relations. Les gens qui entrent dans ta vie n'ont pas la même valeur et ne t'amèneront pas à faire les mêmes choses. Il y a par exemple, la première catégorie, ce sont les relations superficielles. Relations superficielles, ce sont des relations qui n'exigent aucun engagement. Parce que le mot derrière toute relation, c'est le mot engagement. C'est-à-dire, qu'est-ce que je suis censé faire, mes devoirs et mes obligations dans la chose. Les relations superficielles, c'est par exemple quand tu fréquentes un milieu, la personne qui te sert dans un restaurant, la personne qui te donne le courrier dans une station de poste, ça, ce sont des relations superficielles. Ces personnes, quand elles entrent dans ta vie, elles auront aussi une influence superficielle. Ça ne compte pas tellement. Et la deuxième catégorie, c'est ce que j'appelle maintenant les relations structurées. Les relations structurées se nouent à l'occasion des rencontres régulières. C'est-à-dire, on se rencontre au même endroit de manière régulière. Par exemple, à l'école, on se rencontre, il y a le processus de dynamisme qui se passe. À l'église, on se rencontre, on a un même centre d'intérêt et puis des activités communes. Un même centre d'intérêt. Ça peut être on fréquente le même club de football, on fréquente la même église, on fréquente la même école. Là-bas, ça devient structuré parce que ce que tu fais chaque jour détermine qui tu deviens et engendre instantanément ou automatiquement des relations. Quand tu fréquentes un endroit chaque jour, tu achètes le pain au même endroit, tu te rendras compte qu'à cet endroit, tu vas développer des relations. Celui qui a du mal à développer des relations à un endroit où il va régulièrement, alors est en train déjà de limiter son potentiel. Pour voir qu'un homme a un potentiel qui pourra être célébré, c'est sa capacité à produire ou à se nouer, se connecter avec des gens et bâtir des relations. Les relations structurées, école, c'est un endroit où vous allez régulièrement et vous avez un intérêt commun et des activités que vous faites aussi en commun. La troisième catégorie, ce sont les relations sûres. Parce que dans le dynamisme des relations, une relation superficielle peut devenir une relation structurée et atteindre ce que j'appelle une relation sûre. Dans le processus de ces relations, alors c'est à ce niveau où tu dois te poser la question. Es-tu dans une relation superficielle? Es-tu dans une relation structurée? Es-tu dans une relation sûre ou une relation solide? Retiens avec moi que la relation superficielle ne demande aucun engagement. La relation structurée, vous fréquentez un même endroit, il y a l'intérêt commun et les activités que vous commencez à faire ensemble, ça crée cette relation.
Mais la relation sûre, c'est lorsque le mot confiance fait son entrée. Quelqu'un à qui tu peux faire confiance. Dans confiance, il y a le fait de se fier à, se confier à, c'est-à-dire se consacrer à. Est-ce que tu peux donner de ton temps, de ton argent, de tes relations à cette personne que tu veux amener dans ta vie? Le mot confiance est le fondement de toute relation. Une relation qui n'a pas de confiance, n'a pas de fondement, n'a pas d'avenir. Et quatrièmement, maintenant, ce sont les relations solides. Lorsqu'une relation devient sûre, elle est en train de transiter vers une relation solide. Et ce sont ces personnes-là maintenant qui, lorsque tu les amènes dans ta vie, ton potentiel peut subir vraiment une influence, une mutation. Retiens avec moi, j'ai fait comprendre que l'identité, les actions sont façonnées ou déterminées par les personnes que nous emmenons dans la barque de nos vies. Personne ne peut entrer dans ta vie sans t'aider à devenir quelqu'un ou bien te donner une certaine étiquette ou bien te pousser à poser certaines actions. Tout celui que tu as amené dans ta vie, jusque là où tu es, pendant que tu suis cette vidéo, ces personnes t'ont soit aidé à rehausser ta valeur, une identité, soit à poser certaines actions. C'est à ce niveau où tu dois vraiment réfléchir aux personnes que tu amènes dans ta vie. Et je peux atterrir en te faisant comprendre maintenant qu'il y a 5 preuves d'une relation solide. Pour savoir que tu as trouvé des partenaires de la destinée, des personnes qui vont t'aider à développer, maximiser ton potentiel, il faudrait que tu puisses faire le test de tes relations. Je te fais comprendre que les relations, soit elles construisent, soit elles détruisent. Soit elles t'élèvent, soit elles te rabaissent. Soit elles ajoutent, soit elles soustraient. Soit elles ajoutent de l'énergie, soit elles t'épuisent. Mets un plus, mets un moins. Et puis tous les moins, mets-les de côté. Tu n'as qu'une vie, tu n'as qu'une destinée, tu n'as qu'un potentiel et tu n'as qu'une opportunité. Je dis toujours aux gens que la terre n'offre pas des sécurités, mais la terre offre des opportunités. Et quand tu saisis ces opportunités, ce sont les brèches de la manifestation de ton potentiel. Les hommes sont rémunérés sur la terre en fonction des problèmes qu'ils résoutent. Et tu résous les problèmes en fonction du potentiel que tu as. Regarde avec moi comment se passent les choses. Un médecin est rémunéré parce qu'il résout le problème lié à la santé. Un avocat, un personnel de droit est rémunéré parce qu'il résout le problème lié à la justice. Un pasteur est rémunéré parce qu'il résout les problèmes liés à la spiritualité. Un manager, un leader, chacun reçoit. Un architecte en fonction de la construction. Et tu vas te rendre compte qu'aussi dans la construction, ceux qui prennent le risque de construire en hauteur ne sont pas rémunérés de la même manière que ceux qui se disent qu'ils peuvent juste construire en terre basse. Parce que plus tu montes, plus il y a des risques. Et en fonction des risques, il y a aussi une rémunération. La question que tu dois te poser, qu'est-ce que je suis en train de résoudre comme problème sur la terre et qu'est-ce que j'ai comme rémunération? Ne te plains jamais de tes rémunérations. Plains-toi plutôt de la résolution des problèmes que tu es en train de faire. Ton potentiel doit générer des rémunérations. Et c'est à ce niveau où tu dois totalement ou pleinement réfléchir sur les relations. Il y a 5 preuves d'une relation solide. Elle n'est pas superficielle. Elle n'est pas structurée. Elle n'est pas sûre, mais elle est devenue solide. Ça dit que cette personne, quand elle est entrée dans ta vie, elle influence ton identité, ta destinée. La première des choses, la preuve d'une relation solide, c'est la joie d'être ensemble. La joie d'être ensemble est le premier élément qui montre qu'une relation est solide. Elle se caractérise par le fait qu'on a envie d'être ensemble, non pas nécessairement pour faire quelque chose ensemble, mais ton âme, ton homme intérieur, ton capital émotionnel se réjouit du fait de rencontrer cette personne. Il te procure une certaine énergie. La question que je me pose, es-tu dans la joie d'être avec cette personne sans qu'il puisse avoir quelque chose qui vous réunit? Es-tu dans la joie de lui faire un WhatsApp, un SMS, un appel sans qu'il puisse avoir quelque chose? La joie d'être ensemble est la première preuve d'une relation solide. Deuxièmement, le respect. Si nous devons donner une définition au respect, c'est-à-dire la personne qui sait reconnaître ta valeur,
La personne qui ne travaille pas à t'écraser, mais la personne qui travaille à reconnaître ce que tu es et faire ressortir ce que tu es. Est-ce que cette personne te respecte-t-elle? La personne que tu as amenée dans ta vie, le respect. Le respect. Beaucoup des relations amoureuses sont mortes parce que simplement le respect n'était pas au rendez-vous. On ne peut pas se dire qu'on passera la vie avec celui qui nous rabaisse. Celui qui nous rabaisse est appelé à sortir de notre vie. Dans la manière dont Dieu a conçu l'homme, au-dedans de chaque homme, il y a une petite voix qui dit « Reconnais ma valeur, reconnais ma valeur. » Et chaque fois que cette valeur est reconnue, la personne se sent en sécurité et une intimité peut être bâtie. Mais lorsque la personne ne se sent pas en sécurité, l'intimité n'est pas bâtie. Hier, j'étais en train de faire comprendre aux gens sur mon statut. J'écris intentionnellement pour édifier les gens. Et j'ai fait comprendre que la fausse personnalité ne bâtit jamais d'intimité. Parce que l'intimité se retrouve sur le terrain de la vérité. Tout ce qui est faux finit toujours par s'effondrer. Et le respect est le mot maître qui fait à ce qu'une relation puisse être solide et solide encore. Le respect. Troisièmement, j'ai retenu pour vous ceci. Et il y a un homme qui a dit ceci, parlant du respect, j'allais oublier. Il dit, le respect se gagne toujours presque dans les difficultés. Dans les difficultés. C'est-à-dire, lorsqu'il y a les oppositions face au temps, aux circonstances, aux défis, c'est en ces moments-là où on sait sentir qu'on respecte quelqu'un, on lui redonne sa valeur par rapport au temps difficile. Troisièmement, les expériences communes. Quand vous avez la joie d'être ensemble, il y a le respect. Les expériences communes sont, comment on peut dire, c'est la maternité des relations solides. Parce que faire des expériences marquantes ensemble fait que vous vous rapprochez ensemble. Quand vous terminez les études ensemble, quand vous traversez une crise ensemble, quand vous remportez des victoires ensemble, quand vous connaissez l'échec ensemble, les expériences communes sont les maternités des relations solides. Qu'avez-vous en commun? Qu'avez-vous en commun? Et quatre, la confiance. Je ne cesserai jamais de marteler dessus, faisant comprendre que la confiance est le fondement de toute relation. La confiance est le fondement de toute relation. Et j'ai aimé ce qu'un auteur a dit, j'aimerais te le lire. Il s'appelle Ralph Waldo Emerson. Il dit, ce qui fait la gloire d'une amitié, ce n'est pas une main tendue, un sourire aimable ou la joie d'être ensemble. Non, ce n'est pas ce qui fait la gloire d'une amitié. C'est plutôt l'inspiration spirituelle que nous ressentons en découvrant que quelqu'un d'autre croit en nous et est prêt à nous faire confiance. En d'autres termes, il veut dire que ce qui fait l'amitié, c'est le fait qu'on rencontre que quelqu'un croit en nous et il peut nous faire confiance. Dès qu'on trouve quelqu'un qui croit en nous et qui peut nous faire confiance, c'est de l'amitié qui est en train de se faire jour. Et la confiance est le fondement de toute relation. Sur mon dernier post-it, je parle de la cinquième chose alors. La cinquième chose qui fait ou bien qui est la preuve d'une relation solide, c'est ce qu'on appelle la réciprocité. Que ce soit une relation amoureuse, que ce soit une relation d'affaires, que ce soit une relation ministérielle, que ce soit une relation dans une association sans but lucratif ou un parti politique, que ce soit des scientifiques qui se retrouvent pour faire ressortir une formule, résoudre un problème quelconque, pour travailler autour d'une situation quelconque, quel que soit le domaine, la réciprocité. Toute relation. Dans toutes les relations, on peut connaître des difficultés. Mais j'ai compris que les relations fonctionnent comme un compte en banque. On ne peut pas chaque fois retirer sans y faire des dépôts. Il y aura un déficit. Quand on parle de la réciprocité, si chaque fois il y en a un qui dépose toujours, chaque fois il y en a un autre qui retire toujours, ça n'ira pas. Les relations fonctionnent comme un compte en banque. Avant de se dire qu'on n'est plus en relation avec tel, posons-nous la question, quels sont les dépôts que tu as faits et quels sont les retraits que tu as faits? Tu vas te rendre compte que dans les comptes en banque, lorsque les retraits sont supérieurs aux dépôts, alors ce compte n'a pas d'avenir. Mais lorsque les dépôts sont supérieurs aux retraits, ce compte a de l'avenir. Y a-t-il de la réciprocité dans votre relation? Y a-t-il la joie d'être ensemble? Y a-t-il de la confiance? Y a-t-il du respect? C'est comme le pentagone relationnel. On peut le tendre
dans la vie de ceux qui vivent ensemble. Et l'une des relations les plus importantes dans la vie, c'est la relation du mariage. On peut parler du potentiel, de maximiser son potentiel. Mais si la personne arrive ou bien se marie mal, ce potentiel va s'enterrer sans qu'il puisse y avoir la main du diable dedans parce qu'il a marié le diable lui-même. Le mariage, c'est la relation qui est comme l'aéroport de la destinée. Celui ou celle avec qui tu passeras le reste de tes jours sur la terre est pour 70% dans la réussite de maximize your potential. Tu ne peux pas développer un potentiel lorsque tu as une entorse dans une relation émotionnelle. Toutes les personnes qui ont connu des chocs émotionnels, ils étaient des bons joueurs, la carrière a commencé à baisser. Ils étaient des bons prédicateurs, la carrière a commencé à baisser. Ils étaient des bons hommes d'affaires, la carrière a commencé à baisser. Parce que simplement, au niveau de la réussite de la destinée, le capital émotionnel est très important. Grand point d'interrogation. As-tu réfléchi à la question avec qui je passerai mes jours sur la terre? Avec qui me marierai-je? Quelle est cette personne que je vais amener dans la barque de ma destinée? Cette personne correspond-elle au potentiel que j'ai à libérer ou cette personne est le cimetière de mon potentiel? Je parlais avec une sœur. Elle me fait comprendre que son fiancé ne l'encourage jamais dans sa carrière. Sans réfléchir, je lui fais comprendre que ça ne peut pas changer dans le mariage. Sans réfléchir, je lui fais comprendre qu'il faut te trouver quelqu'un d'autre. Parce que si tu aspires à quelque chose qui rencontre une opposition émotionnelle, cette chose n'a pas d'avenir. Lorsque tu es en train de courir dans la destinée, tiens compte de ton capital émotionnel. Relation. Après équipe, le grand mot c'est relation. Réfléchis aux gens que tu amènes dans ta destinée de manière à ce que ton potentiel soit maximisé. Courage à tous les bien-aimés qui nous suivent. Courage à tous ceux qui ont décidé de vivre cette vie comme c'est la seule, avec tout le potentiel qu'il faut. Ils sont nés pour un but, ça va exploser et le monde va vous célébrer. Un grand merci à tous ceux qui partagent les vidéos. Courage et courage encore. Maximisez votre potentiel. Ce sont les mots que j'avais à placer pour vous dans ce petit extrait de vidéo.